Les arts du tout monde, c'est une aile pour vous donner des ailes. C'est véritablement un passeport qui vous permet de voyager dans le temps et dans l'espace, à la rencontre de continents esthétiques du monde entier, mais en même temps qui vous permet de réfléchir, d'être peut-être déstabilisé, d'être amusé, d'être bouleversé, d'être surpris. Et c'est tous ces continents d'incertitude dans lesquels donc, nous voyageons et où nous reconnaissons des voix voisines, mais en même temps donc, des voix peut-être perturbantes, des artistes familiers, mais en même temps des œuvres dissonantes. Donc c'est vraiment une découverte de ce monde tel qu'il est, complexe, foisonnant, chaotique parfois, mais toujours bouleversant. Le tout monde, c'est un concept qui a été imaginé par un philosophe et poète des Caraïbes, de Martinique, qui s'appelle Édouard Glissant, qui est un poète de l'identité heureuse. C'est une personne qui pense que profondément, l'être humain ne peut pas vivre sans l'autre. Le tout monde, c'est un projet qui est contre les divisions, contre les populismes. C'est un projet contre la peur. C'est toute cette esthétique qui est faite dans le dialogue, dans la conversation, dans le fait que nous n'existons pas l'un sans l'autre, qui est donc au fondement même de la pensée de Glissant. Quand il dit « Quand on me demande de dessiner un arbre, je vois la forêt ». Et c'est vraiment ce que nous voulions montrer ici, c'est cette forêt de symboles, cette forêt esthétique qui est celle de nos collections.